Environnement, le CET Ariatea, sous la loupe du président Monteil-Broderson. Ce dernier a fait un voyage éclair dans l'île et une série de réunions élus, citoyens, associatifs, de la concertation pour trouver la voie de l'équilibre au sujet du traitement des déchets. C'est peu dire que ce CET est un objet civiquement discuté. Un technicien de la DIREN était également du voyage. Nous vous rappelons que ce centre aurait dû fermer déjà à la fin de l'année passée. Certains élus locaux se demandent si un transfert de compétences vers le pays ne serait pas souhaitable. Le commentaire du maire d'Outouroua qui répond à Julien Vesco. Il n'y a pas de solution d'urgence car à terme, il va falloir qu'il y ait un site où on puisse laisser les déchets ultimes. Par contre, là où on a eu l'info de la part du président, c'est que le projet de récupérer la compétence est en cours et ils sont en train d'étudier le sujet justement. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.